Re Bonsoir tout le monde, bienvenue au TVA à 18h. Ce soir, il y a sans doute des parents de la Montérégie qui vont serrer leurs enfants très fort dans leurs bras. Un jeune homme qui avait accès à la garderie de sa mère en aurait profité pour brutaliser les tout-petits. Il vient d'être accusé de voie de fait. Yves Poirier. Si nous sommes à Beauharnois, en Montérégie, c'est que des téléspectateurs nous ont informé de l'arrestation récente de ce jeune homme de 21 ans, Hermel Girard, qui fait face à des accusations de voix de fait, de menaces et de harcèlement envers des enfants. Ça a été la fin du mot. Ça a été. Tu te sens en tant que parent, tu n'as pas été capable de protéger tes enfants quand. C'est en... le pire cauchemar de tout parent d'apprendre que vos enfants auraient été victimes d'abus oui. physiques et psychologiques dans leur garderie en milieu familial. Les deux garçons de cette mère de famille se faisaient garder ici depuis à peu près un an et elle faisait confiance à la propriétaire des lieux. Or en novembre, la propriétaire se serait absentée pour aller à un rendez-vous. C'est son fils qui aurait donc hérité de la garde des quatre enfants présents. Les choses auraient cependant mal tourné. Les enquêteurs ont obtenu auprès d'un témoin un enregistrement où l'on entend. Herman Gérard crier et les enfants pleurer. On entend euh, le fils dans le fond de la gardienne qui crie euh, après nos enfants. Euh, on entend qu'il frappe un de nos enfants. Euh, il lui dit de fermer sa gueule, qu'arrête de pleurer. Euh, après ça il va voir l'autre, celui qui a frappé. Il lui dit que euh, il a pas compris la première fois, il va leur frapper encore plus fort la deuxième fois. L'accusé était chez lui lors de notre passage en après-midi. Il réserve sa version des faits pour le juge. Tu te souviens ce qui s'est passé dans la garderie avec Je les... Je réponds pas. Je tu... réponds pas. Tu vas pas répondre non. à ça pour l'instant. La mère de l'accusé, qui lui aurait confié la surveillance des enfants, n'est pas accusée dans cette affaire. Par contre, le ministère de la famille est rentré là. Madame ne peut plus opérer de garderie. Euh, comment vont vos enfants? Euh, C'est très dur, très, très dur, mes enfants. Euh, ils ont peur des nouvelles personnes. Euh, mon petit garçon, deux ans. Deux ans, tu viens pour le chicaner. Il se cache à terre, Il se cache avec ses mains. Le jeune homme revient devant le tribunal au mois de mai.